Une belle soirée pour les 37 000 supporters lensois ce jeudi à Bollaert. Le Racing l'a emporté 2-1 face au Panathinaikos en match de barrage aller de Ligue Europa Conférence. Entrée en matière réussie dans le chaudron artésien pour Will Steele après les matchs amicaux de l'été. Et tout a commencé très vite dès la 4e minute par l'intermédiaire du Polonais Frankowski, totalement oublié sur le côté droit, 1-0 pour les sang et or. Puis Facundo Medina arrive un peu tard sur Bacacetas, les crampons sur le mollet, carton rouge pour l'Argentin alors qu'il reste plus d'une heure de jeu. Son coéquipier Thomasson délivre à la 34e un centre conclu en deux temps par Saïd, déjà buteur face à Angers dimanche dernier. À la pause 2-0, et l'écart est réduit à la 53e par le numéro 7, Ioannidis, seul face à Samba. La formation grecque aura encore poussé en fin de match avec l'espoir d'un pénalty annulé après consultation de la VAR. Résultat 2-1, une rencontre appréciée par les fervents supporters. Ils étaient bien vers l'attaque et tout, et franchement j'ai trouvé le match passionnant et pas du tout ennuyant. Sincèrement, bravo à Lens parce qu'à 10 contre 11, c'est pas facile et franchement une ambiance de dingue. Au début c'était un jaune, puis après le carton rouge par la suite. Je le trouve pas trop mérité parce que sur le coup on voit bien que c'est l'autre de l'équipe adverse quoi qui est rentré dedans. Bon, il y a le carton rouge qui est compliqué. Moi j'arrive à marquer juste après dans un moment où ils étaient plutôt sur un temps fort. Donc c'est bien. Après on a eu l'apport du public comme d'habitude. Là c'était une grosse ferveur aujourd'hui. Donc ça nous a poussé, ça nous a aidé quand Fak était plus sur le terrain. On va retenir l'état d'esprit, on va retenir l'intensité et la débauche d'efforts qu'on a pu mettre, que ce soit physiquement et émotionnellement. Et c'est toujours intéressant de partir avec un résultat positif sur la première manche. Donc on a la moitié du chemin, on va aller là-bas pour faire des choses positives encore une fois et essayer de se qualifier. Les Artésiens se qualifieront-ils pour la Ligue Europa Conférence, dénouement la semaine prochaine? Wesley Saïd marquera-t-il lors d'un troisième match consécutif? Réponse face à Brest, dimanche, dès 15h, au Stade Bollaert.